Salut à tous et à toutes, on commence ce flash info avec le manager de Manchester United, Eric Ten Hag, a rejeté toute suggestion selon laquelle l'arrivée imminente d'Anthony est une indication que Cristiano Ronaldo est excédentaire par rapport aux besoins d'Old Trafford. Un accord est en place pour que Manchester United signe l'attaquant brésilien de l'Ajax dans le cadre d'un transfert d'une valeur fixe de 95 millions d'euros, avec 5 millions d'euros supplémentaires de suppléments, convenus entre les deux clubs. Alors que les conditions médicales et les conditions des joueurs doivent encore être finalisées avant la fermeture de la fenêtre de transfert jeudi soir, l'ancien patron de l'Ajax, Eric Ten Hag, a été discret sur une réunion rapide avec Anthony. Mais Ten Hag a insisté sur le fait que la signature ne faisait qu'augmenter l'attaque de Manchester United avant que le club ne commence sa campagne en Ligue Europa la semaine prochaine, plutôt qu'un présage que Cristiano Ronaldo pourrait quitter le club cette semaine. Interrogé directement sur Cristiano Ronaldo, qui s'est contenté de rôle de remplaçant lors des deux derniers matchs de Manchester United et a été lié à un transfert dans un club de la Ligue des Champions, Eric Ten Hag a déclaré « C'est clair, nous avons besoin de joueurs de qualité. Vous avez besoin de plus et de couvrir tous les matchs pour maintenir la cohérence, c'est ce que nous recherchons. Surtout des joueurs offensifs, ils sont plus rapidement fatigués car ils doivent courir plus et courir avec une intensité plus élevée. Nous attendons cela d'eux et de notre façon de jouer. Nous avons besoin de chiffres là-bas, nous n'avons pas seulement besoin de quantité mais de qualité. » Pourquoi Cristiano Ronaldo est-il toujours à Manchester United? Selon le journaliste en chef de Sky Sport News, Cave Solecol, nous ne savons pas à 100% avec certitude que Cristiano Ronaldo ne veut plus être à Manchester United. Comme l'a reporté Neil Custis dans The Sun, il y a eu des rapports ce matin, selon lesquels certains de ces joueurs qui n'avaient pas été impressionnés par la stratégie de recrutement de Manchester United auparavant sont maintenant impressionnés. Ils pensent peut-être que Manchester United n'est pas un si mauvais endroit après tout, mais bien sûr, la principale raison pour laquelle il est toujours à United est qu'aucun club n'a proposé d'offre appropriée. Il a beaucoup d'argent, Jorge Mendes a essayé de lui trouver un club de Ligue des Champions et il n'a pas pu le faire. Et on termine ce flash info avec Manchester United a-t-il suffisamment d'options d'attaque si Cristiano Ronaldo part? Selon la journaliste principale de Sky Sport News, Melissa Reddy, Eric Ten Hag a toujours dit vouloir renforcer ses options d'attaque. Il y fait à nouveau référence aujourd'hui, parlant de l'intensité de son système et de la façon dont il va avoir besoin de tous les corps. Si Cristiano Ronaldo part, ont-ils suffisamment de corps en attaque? Cela ne tient même pas compte des buts, évidemment il était leur meilleur buteur la saison dernière. Les gens font toujours référence au fait que la saison avant Manchester United a collectivement marqué plus de buts sans Cristiano Ronaldo que la saison dernière avec lui là-bas. Mais cela nie le fait que les buts de Cavani et Mason Greenwood ne sont plus là. Alors, qui obtient vos buts si Cristiano Ronaldo part? Vous n'êtes pas seulement à court de chiffres, vous manquez de cette banque de buts garantie. L'autre partie de ceci est, valait-il mieux de l'abandonner plus tôt et d'avoir quelqu'un de plus fait sur mesure pour ce qu'ils veulent? En ce moment, vous avez Anthony qui arrive, vous voulez qu'il frappe le sol et vous marque des buts, Anthony Martial a des problèmes de blessure, Marcus Rashford a des problèmes de forme, de confiance et de forme physique. Donc je regarde juste ça et en pensant, d'où viendra la source constante de buts de Manchester United? C'est déjà la fin de ce flash info, s'il vous a plu, n'hésitez pas de laisser un j'aime, de vous abonner, et d'activer la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez aussi regarder ces vidéos proposées pour vous. À la prochaine pour d'autres vidéos. D'ici là, portez-vous bien.